Je me suis trompé de bouton. Ouais, c'est très vert. Non, alors je vais retirer la. Je vais retirer ça. Finalement, c'est non. Beaucoup trop vert ce jeu. Beaucoup trop vert. Ah là là, et puis là, il m'a niqué toutes mes icônes. J'arrive, excusez-moi. C'est la merde. Allez hop. Non. Non, c'était pas ça. Attendez. Comment on fait? Là, comme ça. Ah, c'est caché, il n'y a plus rien. Ma cam déconne, ma cam est de la merde. J'arrive, excusez-moi, on va mettre ça. Ouh, c'est très fort, beaucoup trop fort. Voilà. Bonsoir. Excusez-moi. C'est compliqué. Faut que je règle ma cam, je sais pas ce qu'elle a. La netteté est trop élevée, je pense. Et ça, c'est quoi? Quel est ce fil? Là. Ah, mais c'est une mèche. Bon, bref. On s'en fout. Bonsoir. Attendez, ouais, est-ce que j'ai réparé les trucs? Bonsoir. Jamais. Bonsoir. Est-ce que ça marche? Oui, normalement, je les ai réparés. Je sais pas si c'est réparé pour de vrai. Bonsoir, Green Pepper. Bonsoir, Anazono. Bonsoir, Otage. Bonsoir à tous. Bonsoir, la Suisse, hein, qui est en force là ce soir. J'espère que tout le monde va bien. Il faut que je remette ça, par contre. Voilà. C'est toujours très vert. Donc la semaine a été un petit peu complexe, j'ai pas pu beaucoup stream, pas pu faire mardi, j'ai pas pu faire mon jeudi. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire bah, la fin de Botany Manor, hein, qu'on a commencé jeudi dernier et qui ne fait pas beaucoup de temps de jeu. Parce qu'on a dû faire quoi, 2 heures et demie dessus la semaine dernière, et il me semble pas loin d'être fini quand même. Et on a traîné. Vous n'avez pas toujours pas demandé à votre ami pour le jeu. Mais écoutez, mon ami en question, il est là, c'est Anazono. Alors, vous pouvez lui demander tout seul. Mais oui, j'ai encore oublié. Très compliqué. Et oui, voilà, c'est Anazono, l'ami en question. Le binôme du jeu online. Mais qui n'a toujours pas normalement acheté le jeu. Hein, donc, ça va être très compliqué. Hein, c'est pas, on n'a pas vu. On peut pas. Donc. En espérant que j'ai attrapé Brocélum, c'est bon. Le jeu est réparé. On veut jouer avec 4 à Sons of the Forest. Effectivement, Mitha, il est déjà au courant qu'on veut jouer avec 4. Le problème, c'est les dates de départ, les horaires et les machins. C'est ça où on n'était pas tous d'accord. Puis après, faut il faut qu'il achète le jeu. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Est-ce que dans ce cas-là, je prends le jeu et je joue avec vous, mais je joue offline, comme ça, personne ne veut, je ne stream pas. Vous voyez? Et comme ça, je pourrais faire le jeu en binôme avec Anazono plus tard, quand il aura acheté le jeu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. On ne sait pas comment on va se débrouiller. C'est très compliqué cette affaire. On aura tous remarqué qu'il n'y a pas de musique de fond alors qu'il y a la musique des jeux. Tant de questions. Oui, tant de questions. Attendez. Hop, on va baisser ça. On va mettre ça et on va remettre le son. D'ailleurs, c'est de plus en plus creux, moi, ici, c'est moche. Oh, regardez. On dirait comme. Non, on dirait rien. Allez, hop, c'est bon. Mon idée était horrible. Comme un trou de gland, j'allais dire, mais bon, non, on va pas dire ça du tout. On va pas le faire, on commence mal la soirée. Donc, qu'est-ce que je disais avant de m'interrompre tout seul? Que oui, faut que je règle ma cam un jour, hein, faut que j'y pense, qu'elle a failli pas redémarrer la carte d'acquisition qui marche pas. Et que donc, ce soir, nous finissons donc Botany Manor. Qui j'espère n'a pas planté. Oui. Et une fois qu'on a terminé Botany Manor, on va faire le mardi flippette que j'ai pas fait mardi. On va retourner sur Madison, le jeu qui fait peur. Donc on va faire d'abord du chill avec Botany Manor. Vous pouvez voir en dessous. Je sais pas ce que je montre, alors on va dire que c'est bon. Et ensuite de l'horreur. Vous ne faites pas très peur. Hein. J'ai sursauté un peu sur Madison, mais je trouve pas que ça fasse très peur. Donc. Eh ben on va démarrer tout de suite, hein. N'attendons pas. C'est quoi le bouton? Green fait peur. Ouais, alors ça par contre, Green fait peur. Ça... Ah là 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 là, ce chat là qui garde les ombres mais pas le reste. Encore un paramètre à régler. On verra la prochaine fois. Hein? On s'en fout. Allez hop, go. Bon bref, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, même s'il y avait au moins un jour férié. Donc peut-être du pont pour tout le monde, je ne sais pas. Moi, la semaine prochaine, je me colle tous les jours fériés, donc ça va être sympa. Mais je crois qu'après, il y a encore une petite semaine de vacances, donc c'est cool. Botany Manor. Continuons.
Nous étions dans la salle de bain. Nous devions arroser une plante à la bonne température dans mes souvenirs pour arriver à la faire pousser. Hein? Alors pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, Botany Manor est un petit jeu d'énigmes. Alors c'est vraiment très léger niveau énigmes. Quand même, c'est très soft, très facile, très simple, on va dire. Et c'est esthétiquement un peu à la The Witness, donc on est vraiment dans un jeu. Regardez, voilà ça, un jeu très chill, très cool. Tout est calme, tout se passe bien. Il y en a très peu de musique. On ne se voit pas dans le miroir car nous sommes un vampire. Rien de bien grave. J'avais regardé ça la dernière fois? Oui, on avait regardé. Je sais plus si je jouais à la souris ou à la manette. Là, on est à la souris. Allez, donc, le but du jeu. Nous arrivons dans une maison où il y a plein de plantes et on doit arriver à faire pousser des plantes spécifiques de façon spécifique aussi que l'on découvre au fil du jeu en glanant les indices de-ci, de-là, caraca. Est-ce que j'ai essayé le journal? Non, itab. Ah, je pense que j'étais vraiment dans le. Voilà. Un truc. Voilà, par exemple. On va revenir. Ah. Je ne sais plus comment je. Voilà. La fougère berceau. On devait trouver la graine, puis arriver à la faire pousser. Et on obtient, là, on peut le voir, des indices sur plusieurs textes du jeu pour savoir comment la faire pousser, parce qu'elles ont bien sûr des petites affinités les unes avec les autres. Et là, nous devons donc faire pousser le calice de Brooke. Par exemple, on sait qu'on a ramassé la fondation pour les rivières, ça va être utile, parce que la plante ne pousse que dans les rivières. Il va m'en manquer. Apparemment, il me manque une indice, non? Ouais. J'imagine qu'il y a ça. Le désherbage sûrement aussi. Et le chauffe-eau de la salle de bain. Par contre, il me manque un indice que je n'ai pas du tout. Maudit Gralis. La semaine prochaine, je bosse que mardi. Je bosse que mardi et mercredi. Ah oui, ça va, tranquille. Non, moi, c'était cette semaine où j'ai bossé que lundi et mardi. C'est très épuisant. Donc notre plante est là, on avait utilisé l'eau et on sait que c'est pas bon parce qu'il doit nous manquer une température. Donc là, on sait juste qu'on peut faire chauffer la salle de bain. Donc il faut qu'on trouve un indice qui soit qu'il me manque. Et on peut tirer la chaise d'eau, ça n'a aucun intérêt, ça fait un succès. Un indice soit qui me manque. Ça, c'est quand on a réparé la tuyauterie, parce que oui, la tuyauterie, elle était cassée, c'est nous qui l'avons réparée. Sinon, il y avait un mec qui nous prenait 14 millions de dollars. Non, ça va, 14 dollars. 14 cents, peut-être même. Non, je crois pas que ce soit ça. Afficher le texte. Je suis à peu près. Non, je pense que je jouais à la manette. Je suis à peu près sûr que je jouais à la manette. C'est épuisant le travail. Je suis totalement d'accord avec vous. Moi, si je pouvais, bah, je travaillerais pas. En tout cas, j'irais pas. Donc, hop, c'est bon la manette? Oui. Donc ça, on l'avait déjà lu, donc on va pas le relire. Il faut juste qu'on trouve des indices qui manquent. Ça, c'était pour l'autre plante. Ah. Y. La société de Somerset pour la protection de la vie sauvage souhaite présenter une pétition à l'honorable des communes. Au cours des dernières années, de nombreuses chasses ont été organisées près des rivières de Somerset, ce qui a tragiquement mené au déclin, voire l'extinction de certaines espèces aviaires, les champs d'oiseaux, la 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 la. Ça, c'est pour un gars qui fait du truc, qui ramasse les plantes. Ça, c'est pour s'asseoir, ça va pas être un indice. Hein. On n'avait pas à un moment un tableau avec des rivières ou je sais pas quoi. Je vous remercie de nous pour préciser ce qu'on a. Ça, on l'a lu. Ce qui est intéressant dans ce jeu, en dehors des énigmes qui sont pas très compliquées non plus, mais je pense qu'on en reparlera une fois qu'on l'aura fini, il y a un côté très intéressant parce qu'il se passe en 1890. Et on sent bien à travers certains textes la misogynie, poliment dit, ambiante, c'est même plus que ça. Hein. En résumé, dans le jeu, dans toutes les lettres que reçoit, ah c'est ça que je cherchais, la fille qu'on joue, tous les mecs disent que quand c'est une fille qui s'occupe de botanique, bah, c'est du jardinage de merde, hein, c'est pour mettre des plantes dans les plats et puis faire un petit goût. Alors que quand c'est les hommes qui le font, c'est quelque chose de bien, c'est une science. Attention, c'est pointu, hein. On rigole pas avec la botanique. Mais une femme, on s'en fout. Voilà. C'était très agréable. Et donc, elle se fait recaler de tous ces trucs alors qu'elle adore ça parce que c'est une femme. Plus que ça, c'est sûr. Ben oui, non, mais c'est clair. Alors.
Ok, donc là on a des températures. Il faut qu'on trouve dans quelle rivière se trouve encore la plante qu'on doit faire pousser. Alors la question c'est est-ce que je zappe le truc ou pas? Je ne sais pas, ici on n'avait rien. Là c'était pour imiter les oiseaux. Oui, tiens d'ailleurs. Je les reprends à chaque fois maintenant et je les remets dans la pièce du début parce que je me dis, la pièce du début, elle a plein de soucoupes. On pouvait courir dans le jeu ou pas? Elle a plein de soucoupes, ça doit forcément servir à quelque chose. Donc j'aurais tendance à penser qu'avec un peu de chance, il y a une soucoupe par plante chelou et que ça débloque un truc, soit une pièce secrète dans la maison, soit juste un succès. Pas grave. Dans tous les cas. Et salutations Griffithou, comment allez-vous? Regardez-moi ce petit arbre plein de champignons bleus, c'est magnifique. En parlant de champignons bleus et de jardinage, j'ai commencé un petit jeu de survie sur Steam. Ah, il n'y a plus beaucoup de place. Qui s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Mind. Mais oh, on en reparlera après. Et qui est basé vraiment sur le jardinage. On est dans du grounded version jardinage. Il est très sympathique. Potentiellement un peu dur parce que c'est un jeu de survie où il n'y a presque pas de bagarre. C'est assez dingue. Par contre, on marche des kilomètres et des kilomètres sans boire et sans manger. Et au bout d'un moment, ça ne nous réussit pas très bien. Mais c'était plutôt sympatoche. Quelqu'un a dit grounded? Non, non, personne n'a dit ça, non. Ça doit être une erreur de votre oreille, de votre oreille interne, peut-être même. Comment allez-vous, Madame Crifidou? Est-ce que c'est la fête? Est-ce que tout va bien chez vous? Est-ce qu'il fait beau? Je ne vais pas vous demander quelle heure il est parce que je sais qu'il n'est pas du tout l'heure qu'on a ici. Il est tôt, c'est l'après-midi. Invitation à dîner. Non, je veux. Je sais pas à quoi tu sers aussi. Forcément servir à quelque chose ce petit cochon là. Non, spécialiste des orchidées, c'est pas ça. Je trouve quand même juste dommage que quand on a déjà lu un indice dans le jeu, il faut retourner à l'emplacement de l'indice pour le relire. Ou s'en rappeler par cœur, bien sûr. Ce serait bien d'avoir un petit codex avec, avec ce qu'on a lu pour pas avoir à se déplacer justement. Si. Au cours d'une récente promenade le long d'une rivière de Somerset, j'ai vu une merveille dont je devais te faire part. C'est un calice de Brooke, ok. Une rivière de Somerset. Ouais, mais laquelle? C'est ça qui est important. On a bien compris que c'était une rivière de Somerset parce qu'il n'y a que ça ici, mais on voudrait savoir laquelle. Et il y a Ayamarif qui se pointe juste pour prendre la récompense polie comme un galet. Bonsoir Yamari, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être poli comme un galet. Plus combien de temps ça dure? Je dois avoir un modo qui va me le dire. Parce que moi je me rappelle pas de mes récompenses. L'Himalaya. Où est-ce qu'on. Alors... Ou alors c'est qu'il me manque une info alors. Si ça se trouve, c'est carrément qu'il y a une coupure de journal ou de je sais pas quoi que j'ai pas vu. Calice de Brooke. Il nous faut absolument le nom de la rivière pour savoir quelle température il faut mettre. Où est-ce que je peux avoir raté ce truc? Le mec il réussit les énigmes en une seconde. Par contre, alors, retrouver sa droite et sa gauche et retrouver un livre, une feuille, il met des années, des années. Nationana, nationana. Le plan que l'on a respecté dans la nationale. J'ai pas de zone. Il fut. Ah. Nageur rivière, c'était dans. Nous voulons nous rassurer. Grâce au service de l'entreprise des herbages aquatiques, Clark, les rivières Cam, Chou et Sommer sont désormais propres. Merci de votre soutien sans faille. Grâce à nos dons mensuels, les mauvaises herbes n'affectent plus les rivières de Somerset. Mais ça me dit pas. C'est toi alors. Il était porté à notre attention que l'usine d'œuvre en fer Barton a jeté des déchets métalliques dans les rivières de Somerset. C'est cool, les rendant non aptes à la baignoire en raison de la pollution causée par la rouille. Ne vous baignez pas dans les rivières suivantes, Cam, Sommer, Chew. Bien que des déchets aient aussi été jetés dans la rivière From.
Celle-ci n'est étrangement pas affectée par la rouille. Cherchons actuellement les raisons d'une telle situation. Ok, donc quoi? C'est que les plantes, elles seraient dans la rivière From, mais qu'elles se nourrissent aussi de rouille. Donc pour le coup, le cochon, je disais qu'il devait servir à quelque chose, il faut qu'il aille avec. Une bêtise comme ça. Ah, attendez, rivière From. 25 degrés. On va tester déjà avec ça. Normal, tu es un boulet. Non, pas du tout, c'est faux. Je vais dans la salle de bain. On pouvait pas courir? Ah, non, ça c'est zoomé. Ah, ça y est, c'est ça. 25 degrés. Alors, est-ce que 25 degrés, ça suffit? On a tendance à penser qu'il faut le cochon dedans, non? Ça va être ça l'arnaque. Pour l'instant, ça marche pas. On va tester. Ça se trouve, c'est pas celle-là. Ça se trouve, il faut pas le cochon. Ça se trouve, il faut surtout pas le cochon, sinon ça va tuer la plante. Voilà. Gauche, droite. Un jour, j'apprendrai ma gauche et ma droite. Faut que je mette des post-it sur les bords de l'écran, je pense. Il est où le cochon? J'ai mis où? Là. En plus, quand on a ramassé le... Bah tiens, d'ailleurs. Ah bah non, je peux pas le poser. Quand on a ramassé le truc From... Ah, il y a eu un... En fait, il y a un petit son quand on ramasse la... Enfin, quand on lit la bonne... une feuille utile. Ok, j'avais pas fait attention à ça. J'arrive à la fin du jeu, j'avais pas compris comment marche le jeu. Alors, je lâche. Ah bah si. C'est rigolo, la manière dont c'est fait. Même s'il est beaucoup plein de rouille quand même, le cochon. Oh là là, oh là là! Ah oui, ça aime la rouille fort. Par contre, on peut plus rien sortir de la baignoire. Ah, c'est peut-être après. Un frou sardine, il s'est échappé, j'ai pas eu le temps de le lire, il me faudrait du son. Ok, il se brouque pousse dans les rivières dont la température avoisine les 25 degrés. Où est ma clope? La plante présente la propriété naturelle de filtrer la rouille et les métaux présents dans l'eau. Malheureusement, elle se voit souvent arrachée car la plupart des gens préfèrent que leur étang soit exempt de mauvaises herbes. D'accord, donc c'est considéré comme une mauvaise herbe. D'accord. Ah si, c'est bon, je peux la reprendre. Comment on se baigne dedans maintenant? Ben, comme ça. Ah, attendez, une livraison à la loge. On fait comme ça pour... Attendez, je peux pas le poser. Regardez. Hop. Ah non! On peut plus ouvrir la bonde. Mince. Attendez. Attendez. Ah bah non, maintenant on peut plus. Bah on peut plus se baigner. On pouvait vider la baignoire, mais là on peut plus. Déçu. Oui, ici il fait toujours beau. Pas du tout en retard. Toujours beau et nous on commence à avoir froid. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, des courants d'air qui sont énormes et ça fait très très du froid dans mes petits corps. Il me restait encore 3 plantes. Je sais pas si c'est pile le bon nombre en fait. Est-ce que je me trompe depuis le début? Retournons à la loge. Nous avons normalement fini l'avant-dernier chapitre et nous allons donc au dernier chapitre. Qu'est-ce qu'on trouve? Une clé d'une zone qu'on n'a encore pas eue? C'est ça. La clé du jardin formel. Lady Arabella, je vous présente mes plus plates excuses pour avoir accidentellement pris la clé du jardin classique. Ah ouais, classique, c'est mieux. Avec moi. Je l'avais mise dans ma poche et j'ai simplement oublié qu'elle était là. Je voulais pas vous déranger dans vos recherches, alors j'ai laissé la clé dans ce panier. Signé. Et Jimmy. Ok, merci Jimmy. Il était où ce jardin? C'était la grille blanche qu'on avait d'en haut? C'est ça? Je crois qu'on peut pas y accéder d'ici. Encore que. Si, c'était celui-là en fait. Non. C'est peut-être celui-là, mais il faut l'ouvrir de l'autre côté.
m'aider, débarrassez-moi de cette table. J'ai mis un bureau au plein milieu du chemin là. Maintenant, faut que je me rappelle du comment j'y vais. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile pour moi ça. Il nous restait une. Voilà, là il y a une porte. J'imagine que c'est celui-là parce que j'aurais tendance à penser que c'est la dernière porte. Jardin classique. C'est écrit dessus! Comme le portalu! Aller vivre dans une maison plus petite. Et je suis totalement d'accord parce que je trouve que c'est très grand quand même. Après, c'est sympa. Je dirais pas non de vivre dans une petite bicoque comme ça, même si. Même si pour le chauffage et tout ça, ça a l'air d'être compliqué. Eh, hey, mais il y a en fait, des bougies là-bas, donc il y a encore un truc en dessous là. C'est chelou comme zone, non? On dirait une espèce de grosse fontaine. J'imagine d'ailleurs que les deux têtes vont cracher de la flotte à un moment. Mais on se demande pourquoi il y a une fenêtre juste, juste là. Oh là là! Ah non, j'ai plus de piles! Attendez, j'ai plus de piles dans ma manette. Désolé. J'ai pas de Joy-Con Drift. Hein. C'est pas ça du tout. J'ai plus de piles. Quand j'ai plus de piles, se tourne en rond. Comme ça. Ça fait mal à la tête. Hein. On est tous d'accord. Les petits piou-piou là. Tourbillol! C'est ça. À chaque fois que ça le fait dans un jeu, ça me casse les arpions parce que j'ai fait attention, je sais pas où est-ce qu'on en est de la récompense, mais je tiens le coup. Mais à chaque fois, ouais, ça me donne presque envie de vomir quand même. Alors, c'est bon, là ça marche. Donc, nous avons un petit set de pique-nique qui est quand même plutôt grand pour une personne toute seule, je trouve. C'était un message! Un homme local aurait vu un signal mystérieux. Un agriculteur a rapporté avoir observé une mystérieuse lumière clignotante venant d'une grotte près de sa résidence à Cheddar, le nom du fromage. Selon ses propres termes, je promenais mon chien. J'ai un peu perdu la notion du temps. Hein. À la tombée de la nuit, j'ai décidé de rentrer. Mais sur le chemin du retour se trouve une petite grotte. Et ben en passant devant, j'ai remarqué une lumière clignotante à l'entrée. Ben, j'étais sûr que c'était un de ces messages en morse. Hein. Quand je me suis approché, la source de lumière a disparu et il n'y avait personne. Mais je suis sûr d'avoir vu le code Morse pour attention. Qu'elle sait. Je n'oublierai jamais cette abréviation, car c'est la première que j'ai apprise. Moi, la première que j'ai apprise, c'est SOS. C'est la seule que j'ai apprise. Les autorités. Mais non, c'est plus cette voie-là. Les autorités locales ont assuré à nos journalistes qu'il n'y a eu aucune activité ou exercice militaire dans la région récemment. Le mystère reste donc entier. Donc, on va faire du morse avec de la lumière, c'est ça en plus? Et les papillons? Coucou les papillons! Pardon, excusez-moi. Des aliens? Ah, peut-être, hein. Bah, j'espère que non, parce qu'on n'a pas d'art. Ah, il y a des dessins chelous là-dedans. Ok, quoi, on le fait tourner ce truc-là, non? On n'a pas d'armes ici, alors les aliens, je suis contre. Il nous reste trois plantes. Et pour l'instant, j'ai zéro info. Pas de graines, rien du tout. Oh là là, mais c'est immense! Oh là 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 là! Coucou! D'accord. Hein. Ah, je vais. Attends, X. Examiner. Il n'y a rien. Bah, on va te mettre là. Non, attends. C'est mon copain? On est copains maintenant? Ah, tu fais de la musique? Donne-moi une graine. Non? C'est bête, un oiseau quand même. Donc ça, c'est ce qui nous amène à la porte du début, c'est ça, non? Yes. Ah, on peut mettre encore la mâchoire à oiseau jusqu'ici. Oh là là, mais qu'est-ce que... Quoi, faut qu'on déplace l'oiseau tout du long? On va le faire, hein. Ça mange pas de pain.
On voit pas de différence. Allez, envole-toi! Piu-piu! Piu-piu! Non, bon, c'est pas ça. Ah, mais il y en a un là aussi. Mais attendez, bon, attends. On va le faire dans l'ordre, on va lire. On va faire de la couleur aussi. Recherche sur les anthocyanes, arbustes denses printanières. Quoi? Bleu pH 0,3, violet pH 3,5, nanana, nanana. Ok. Bien. Oh là là. Donc on va s'amuser à augmenter le pH du terreau avec du grès, du mar... Enfin, on n'aura peut-être pas tout. Hein. Non, on a le dépôt en terracotta à nous. Normalement. Et donc, guano, manure. Manure? Quoi, manure? Fumier. Ok, d'accord. Des algues, cendres de bois, du café et du compost. Sauf que pour l'instant, on n'a eu aucun de ces trucs-là nulle part. C'est un peu étrange. Chère Madame Green. J'ai récemment entendu parler de votre implication dans le tutorat de botaniste en herbe. La botanique est un domaine qui exige une compréhension approfondie de ses complexités, et bien que j'admire votre dévouement, c'est un peu l'aveugle qui conduit l'aveugle. Hein? Toute plaisanterie mise à part, je souhaite que vos efforts aboutissent à un semblant de progrès. Wouah! Ça me paraît toujours aussi sympathique, hein, les hommes dans ce jeu. Je ne sais pas trop comment on va s'amuser à déplacer le piu-piu, mais vu le nombre d'accroches à piu-piu qu'il y a, on va être obligé de le faire. Cher monsieur Bennett, merci infiniment pour la belle botte de rhubarbe du jardin de votre neveu. Je n'attendais rien en retour du cataplasme végétal que je lui avais en donné pour son enfant, mais je lui en suis reconnaissante. Je sais qu'il n'a pas les moyens d'appeler le médecin. Comme vous disiez qu'il ne peut pas lire de message, veuillez lui transmettre mes remerciements quand vous le verrez. Sincère salutation. Lui transmettre mes sincèrement. Sont toujours aussi sympathiques. Ouais, non, j'avoue que. Donc, ouais, faut qu'on trouve de la rhubarbe. On va falloir qu'on fasse un cataplasme. Ah, pour l'instant, là, on a fait le tour d'ici. J'ai pas trouvé de graine encore. C'est quand même très, très grand ce jardin. Enfin, c'est pas un jardin d'ailleurs. C'est une maison. Le jardin est une maison. Ah. Une graine pour oiseaux. Des jardins préparés par ma tête, jardin de ferme Toubit & Co. La meilleure qualité, mélange hygiénique, attirer toutes sortes d'oiseaux des jardins comme le merle bleu, le passereau et le rouge-gorge grâce à ces graines de haute qualité. Placez-les dans une mangeoire à oiseaux ou sur une surface plane et émerveillez-vous devant vos voisins à plumes. Ok, donc on a deux mangeoires. Au moins. Intéressant, il y a un truc sur la table là? Pas du tout. Il y a deux mangeoires et 25 000 accroches à mangeoires. Et il va falloir qu'on mette la fleur ici, à la fin. Bah déjà pour ça. Ah! La clé du maison de bateau. Du maison de bateau, de la maison du bateau. À l'instar des abeilles, les oiseaux sont des pollinisateurs. Mais saviez-vous que les oiseaux préfèrent polliniser les fleurs d'une certaine couleur? Ok, d'accord. Cette affiche vous montre les couleurs qui attirent certains oiseaux. Fleur rouge, bouvreuil, rouge-gorge, fleur bleue. Ok, d'accord. Donc, il faut qu'on arrive à colorer la fleur avec le bon pH pour que l'oiseau se pointe. Bon, après, c'est un rouge-gorge hein, qu'on avait. Donc, normalement, c'est rouge, c'est ça, ils avaient dit? Fleur rouge. Ok. Donc il va falloir le ramener jusqu'ici, j'imagine, quand même, pour qu'il aille polliniser la fleur. Mais d'abord, il nous faut la graine. Toujours pas de graine, hein, les gars. On n'a rien, j'ai rien raté, hein. Et rouge, c'était quoi? Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors, attends, si. Il nous faut donc 12-14. Et 12-14 pour la terracotta, il n'y a pas. Ça va être compliqué alors. Ouais, c'est poli, il y a des claques dans le visage qui se perdent. Oui, c'est vrai.
Donc on a eu la maison du à bateau là. Par contre, je sais pas où c'est. On n'a pas été là. Le télégraphe que vous avez commandé est arrivé pendant votre voyage. Il est arrivé par bateau. J'ai laissé au hangar à bateau. Comme ingénieur, vous souhaitez l'installer, il sera dans le hangar à bateau. Parce qu'il est arrivé par bateau. Jusqu'au hangar à bateau. Je l'ai mis dans le hangar à bateau avec le bateau en lequel c'est arrivé au bateau. Il semblerait que la boîte contienne également un manuel de code Morse. Désolé, hein, moi je vais faire SOS en Morse. Hein. Ça n'a rien à faire. Hein. C'est le seul que je connais. Ma douce Azel, comment vous portez-vous aujourd'hui? De mon côté, Jimmy a encore cassé la tondeuse à gazon. Intelligence, Jimmy. Si je n'avais pas cette blessure de guerre, croyez-moi que je ne lui laisserais pas ses responsabilités. Il aurait soi-disant roulé sur un objet solide dans les herbes hautes près de l'étang. Ok, donc il y a un truc là-bas. Mais avec ma jambe, je n'ai pas pu aller vérifier soigneusement. J'ai jeté un bref coup d'œil et j'ai rien vu. Parfois, je m'interroge sur le bon sens de ce garçon. Il a l'air bête. Pourriez-vous me réserver quelques-uns de vos délicieuses cônes? Bah non, parce que j'ai plus de cuisinière. Attends, t'as cruel, sauvage apparaît. Oh. Oh là là. Comment on fait SOS avec le code de Morse? Il n'est pas marqué? Ah si, il y a d'autres pages. Oh là là. Oh là là. Manuel de génie militaire, longue distance. La méthode de communication longue distance doit être déterminée en fonction de la situation. Ah. Si le message ne contient pas d'informations sensibles ou s'il n'y a aucun ennemi au sein de la zone de communication, une méthode de communication ouverte comme le télégraphe est possible. B. Si la communication ouverte est impossible, les télésignataires peuvent toujours Si la communication ouverte est possible, les destinataires peuvent toujours bénéficier de l'abréviation des messages. Référez-vous à la plaque 2 pour un tableau des abréviations militaires qu'on aura utilisé par télégraphe et code Morse. 2. Les méthodes de communication sécurisées s'appuient davantage sur la technologie et l'ingéniosité. Dans le cas du secret et de la dissimulation, une préparation est nécessaire et les deux parties, on s'en fout. Tout ça, on s'en fiche. Le code Morse 19e. Oh, R pour Roger. Oui, transmission reçue. Over, transmission à transmettre. Out, transmission. Il nous parlait juste de faire attention. Mais KA, comment on fait KA? Oh, compliqué. Hein. Ça a l'air compliqué cette affaire. Je vais peut-être pas. Ah, bah tiens, très bien. Donc ici, on a tous les trucs qu'on peut mettre dans le terreau. Mais il faut déjà qu'on ramène. Eh, hey, il y a un truc là. Eh, hey, ouvre-toi. C'est pour ça. On a d'autres pots maintenant. Ok, donc on doit aller en plus sélectionner notre peau. Et c'est chaud quand même. Et j'ai attrapé Tentacruel parce que je suis le seul à avoir fait poguer, Kat. La culture d'Hortensia, votre compagnon pour la floriculture, un magazine mensuel illustré. Astuces pour la culture d'Hortensia. Les Hortensias sont de magnifiques fleurs contenant des anthocyanes, des pigments qui changent de couleur en fonction du pH de leur environnement. Ok, d'accord. Donc, on doit faire de l'Hortensia, mais pour ça, il faut retourner là-bas pour déterminer. C'est où on est passé ici? Bah non. Bah bien sûr que non. Sauf que c'est pas. C'est ça l'hortensia. C'est bien compliqué le jardinage, ouais, j'avoue. Le buisson fleuri poussait autrefois dans les jardins du manoir, mais il y en a complètement disparu lorsque je suis parti en voyage. L'arbuste dense printanière. Est-ce que ça fait partie des hortensias? Oh! Il y a un petit. On n'a pas été là. Bah ça doit être là-bas qu'il y a le hangar à bateau. Comment qu'on y va? Ah là! C'est encore plus grand que prévu ce machin, finalement. Il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Il faut qu'il ne s'arrête jamais. Ah, il s'arrête parce qu'il y a une clôture. Ok. Lire. Les phénomènes de spiritualisme. Tes chers cousins. Malgré ma grande passion pour les sciences et la quête du savoir, je dois admettre que le sujet du spiritisme ne me captive pas particulièrement. Je me dois donc de vous renvoyer ce livre. Cependant, j'apprécie les efforts que vous faites pour partager vos intérêts avec moi affectueusement. Arabella, pardon, pas Isabella. Le phénomène du spiritisme, le feu follet, l'esprit lumineux des marais, des forêts, des grottes. Le feu follet est une apparition surnaturelle qui longtemps était un sujet de crainte et de fascination. Et après, aux voyageurs perdus, nanana, c'est juste les gaz de. Des corps qui putréfient petit à petit. Ah, c'est sur ça qu'il a roulé. Ok. Ça se met sur le truc du début. Bah oui, mais attends. Alors, je peux l'emmener tout de suite. Ah, c'est casse-bonbon de faire des allers-retours comme ça, là. Parce que je peux même pas le poser, où que ce soit.
Waouh, quel beau tableau. Inspecter les tableaux d'Arabella. Bah, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que si on l'a déjà fait. Donc ça, on le ramène à l'espèce de fontaine d'en haut. Puis, il faut qu'on arrive à déterminer ce que la danse barbuste de danse printanière, je sais pas quoi, que c'est comme plante. Voilà, ça c'est là. Et hop, ça coule. C'était pas du tout prévisible, hein. Je rentre de l'autre côté de l'étang. Ah bon? Mais j'y suis pas encore allé parce que je suppose qu'il faut traverser sur les... sur ça là? J'aurais pas une seule seconde confiance moi. Ah bon, on est très légère. Hein. C'est chouli! Oui, c'est très chouli. Hein. Oula. Ah, il fait nuit. Hein. Ah, c'est juste pour une plante. Il y aura besoin d'ombre, je suppose. Bon, c'est pas la bonne. On n'a pas de plante. Jamais ça supporte ton poids. Ah bah non, je pense que non. Hein. Olor Arabella, elle est vraiment très très fine. Hein. Voire morte. Donc. Oui. Non, c'est pas là qu'on a laissé tel autre. On a trouvé des pots en granit, un truc en machin. Il nous faut. Je sais même plus comment on le trouve. Il y avait tellement de bordel. Je sais plus où sont les trucs maintenant, moi. C'est là-dedans, non? Oui. Faut qu'on arrive à faire une fleur rouge. Pour l'instant, de toute façon, on n'a qu'une seule graine. Donc, on a dit rouge, pH 12-14. On a tout ce qu'il faut. Le pH 12-14. Il n'y en a qu'un seul. C'est sandstone avec des algues. Et je dis pas de bêtises. Et à 13-2. C'est nous l'alien, en fait, vu notre facilité à marcher sur l'eau. Mais peut-être, après, toute l'histoire de Arabella est un peu particulière, quand même. J'ai l'impression qu'il nous manque des infos. C'est pas par là, hein. Non, c'est pas par là. C'est un sacré labyrinthe, ici, quand même. Donc. Sandstone. Sandstone. Ah oui, mais comment je sais lequel c'est? Ok. Bah, c'est celui-là alors. Non. L'autre à côté, c'est du marbre. Ah, c'est ça. Normalement, c'est ça. Le pot vide. Oui, mais alors attends. Faut aller d'abord mettre du terreau dedans, je suppose. Oh, mais il y a déjà un truc qui va me gêner là. Va-t'en. Allez, mets tout, mets ça, mets ça, mets ça, mets ça où? Mets ça là? Non? Mets ça là. Donc on met du terreau dans le pot. Ensuite, on met le produit. Qui était le soude. Mais bah, je me suis raté des dents. Sauf que si ça se trouve, c'est pas du tout pour la bonne plante que je fais ça. Parce que peut-être que bah, j'ai qu'une seule graine, donc j'ai pas le choix, mais. Maintenant que j'y pense. Et on arrose. Ok, bah, elle est rouge, donc c'est bon. Ensuite. Déplacer ça et faire venir le oiseau parce que j'imagine que la dernière session c'est la pollinisation. T'en veux de la fleur toi, Piu-piu, là? Sauf que on n'a pas beaucoup d'endroits où le placer donc je vais aller la mettre directement là-bas et peut-être ramener les autres graines. Mais oui, effectivement, comme disait si bien Griffith tout à l'heure, ça devient très compliqué le jardinage. Hein. Si on la met directement, ça suffit ou pas? Non, il peut pas le sentir de là où il est.
C'est un oiseau, c'est pas un chat, quoi. Sinon, tu mets le feu. Ouais, alors, je suis vraiment pas sûr que ça fonctionne si on met le feu. Ouais. Ah, il y a un petit cœur, là, il a fait un petit cœur de QQ, ouais, j'aime beaucoup ça. Ah là là, j'en veux trop. C'est la dalle. Ah, sauf que je peux plus la prendre maintenant. C'est embêtant. Ah si, c'est bon. Tu viens ou tu viens pas? C'est quoi que tu fais? Roger l'oiseau. On va l'appeler Roger l'oiseau. Politique de la terre brûlée. Comment est-ce que ça fonctionne, ça? Et clairement, il est chaud, hein. Ah, ou alors, il faut alterner. Ah, mais attends, il est en train d'y bouffer. Attends. Ah, mais non. Tu restes là, hein. Tu bouges pas, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, il faut qu'il nous voit pas. C'est quoi l'histoire? Il est starbé, cet oiseau. Ah mais attends, mais non, parce que si on va par là, il va aller de l'autre côté, non? Non, c'est pas comme ça. Par ici, ce serait le plus... Oui, non, mais par ici, je peux pas y aller. Non, on va de l'autre côté, là. Comment ça fonctionne? Ah ok, si, d'accord. Faut juste se mettre suffisamment loin pour pas risquer de lui faire peur. Ah. Ah mais là, par exemple. Ah non, mais genre faut faire tout le tour. Yeah. Ok. C'est rigolo. Potentiellement casse-bonbon, mais c'est rigolo. Je peux pas le faire descendre par là, je suppose, y a rien. Que je passe pas trop près. Non, c'est bon. Il y a en fait, il y a du fufu aussi dans le jeu, quoi. C'est dingue. Là, par contre, on est obligé de passer par là. Il y a de l'infiltration, de l'amour, de la romance avec un oiseau. En fait, dès qu'on entend piou 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 piou, c'est qu'il est chaud. Effectivement, avec une seule gamelle, ça aurait été un petit peu complexe, voire totalement improbable. Hein. Attends. Par là. Ok, c'est bon. Oui, il est. Bon, c'est un peu casse-bonbon comme truc, mais c'est pas illogique dans le fonctionnement, donc bon. C'est pardonnable. Dans sa casse-couillerie. Mais je ferai pas ça tous les jours. Hein. Un seul oiseau, ça me... j'ai intérêt à pas m'être planté au niveau des fleurs. Hein. Là, c'est pareil, là, il est trop près. Je pense que si je me suis foirage, je vais l'avoir dans l'ossature lourde. Non, je vais passer de l'autre côté. Pas le choix. Attends.
Okay. Tu me vois pas, tu me vois pas. Oui! Je suis très très fort. Faire pousser l'arbuste dans ce point. Oh là là! D'accord. Ah, mais j'ai pas mis les indices. Bah oui, parce que je m'en suis pas du tout occupé. Ah, c'est bon. Et pas humble. Bah non, pourquoi faire? L'arbuste dense printanière contient des anthocyanes qui lui permettent de changer de couleur en fonction du pH de son environnement. Ça vaudrait presque le coup de recommencer. Ah bah non, parce que l'oiseau est forcément attiré par le rouge. Donc on peut même pas avoir d'autres couleurs. J'aurais bien voulu recommencer pour avoir d'autres couleurs. Les rouges-gorges s'apprécient particulièrement les fleurs rouges. Il est fréquent de les y voir nichées. Ok. Donc, recherche sur les pigments, oui. Le pH, les graines. Affiche d'oiseau, oui. Note à propos du télégraphe, non. Le catalogue de pots, Hortensia. Et alors le problème c'était, est-ce que l'article de journal c'est le bon? Donc il me manque. Il me manque un truc. Bon, il y en a un deuxième! Ils vont faire des bébés rouge-gorge. Il me manque un indice. Que j'aurais pas lu, hypothétiquement. Bah, la boîte, non? On peut pas considérer que ça, c'en est un? Non, j'avais regardé. Est-ce qu'ici, il y a un truc que j'ai zappé? Non. Ah, miasme! Pardon. Hey, il y a des rouges-gorges partout maintenant. On va se faire bouffer par un rouge-gorge, on va pas comprendre d'où ça vient. Attendez, je pose la fleur pour la remettre avec les autres. Hein. Oui, non, ça c'est juste un enfoiré qui nous crache au visage parce qu'on est une gonzesse. Ah, vous avez plus peur maintenant? Eh ben. La rhubarbe. C'est juste pour dire qu'elle arrive à soigner les gens, ça peut être. Mais personne n'a attrapé le miasme. Oh. Ici, c'était bon, j'ai fait les deux, le tableau et l'autre truc. Où est-ce qu'il me manque un indice? Ah, peut-être un de ces trucs. Maintenant, je les ai tous lus. Ça c'était ok, on s'en fiche. Ça c'est pour le morse aussi. Ok, donc c'est pas là. Ah, cette feuille-là, je l'ai peut-être pas lue. Bah si, c'est les hortensias. Si, je l'ai lue. C'est aussi ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on peut arriver à comprendre et à réussir les énigmes sans avoir tous les indices. Ce qui est presque. Alors, je dirais pas que c'est illogique, mais ce qui est un peu dommage. Non, on peut passer de l'autre côté, je crois. Ah, mais il y a peut-être des trucs là, en fait, complètement. Que je suis pas allé là. On est de ce côté-là. Tiens, pose-toi là. Est-ce que j'aurais raté? Non. J'ai rien raté. Ah si, ah si, ah si, attendez, il y a du texte. Oh, il y a même un fauteuil avec un coussin. Ah, on va s'asseoir, on est vieux, on est fatigué. Et GG level up Crifidou. Donc là on a l'autre graine. Aucune data. Ah si. Oh. Je t'ai ravi par notre récente session de mentorat. Ton travail en tant que scientifique du monde naturel est excellent. Je me rappelle l'arbuste dense spontanière qui poussait dans ton jardin avant ton départ. Ce serait merveilleux qu'il puisse pousser à nouveau. On compile actuellement des informations sur les plantes nécessitant une pollinisation pour arriver à maturité. Je me demande si l'arbuste dense printanière en fait partie. Donc c'est ça le dernier indice que j'ai eu. Bon, voilà. Pas grave, ça arrive. Hein.
Ça paraissait logique avec le cheminement du jeu. Voilà. Ah, ça gratte. Ah, ça me gratte dans l'oreille. Ah, excusez-moi, j'arrive. Ah, c'est douloureux. Donc, ensuite, on a un microscope. On a des graines de tomates. Hein. L'émeraude des fous. J'ai un ami qui m'a offert ces graines. Je n'en sais donc pas beaucoup à leur sujet pour l'instant. Les merveilles de la bioluminescence. Dans les coins les plus sombres de notre monde, il existe des organismes capables de produire leur propre lumière. Ces plantes, champignons et insectes se trouvent généralement dans des zones à faible luminosité comme les forêts sombres, les profondeurs de l'océan et les grottes obscures. Ok, d'accord. De récentes découvertes révèlent que les substances chimiques comme la luciférine sont à l'origine de cet effet lumineux. Harceleur, ça reste longtemps comme titre. Level 60, je crois, le maximum. Je crois que c'est ça. Nous ignorons à quoi sert cet effet, mais selon certaines hypothèses, il s'agirait de communiquer avec d'autres représentants d'une même espèce ou d'attirer des pollinisateurs ou de la nourriture. Ok. Donc la bioluminescence, ça doit être pour l'émeraude des fous, j'imagine. Hello. Oh, la luciférine, ouais, voilà. Non, ah non, c'est carrément que l'émeraude des fous donne de la luciférine. Ok. Ok. Sauf qu'on a vraiment pas beaucoup d'infos sur les mots des fous. On va aller ranger ça à l'entrée. Ici, de toute façon, on a fait le tour. Hein. Et on n'a pas été au hangar à bateau pour le coup. On est d'accord? Je crois pas y avoir été. Mais non, parce que j'ai toujours la clé. Tiens, mets-toi là. Où est le hangar à bateau? Where is the hangar of the bateau? Bah, on peut déjà planter la celle qu'on a eue, même si ça ne nous donnera pas du tout d'idée sur ce que c'est. Ici, on peut planter. Est-ce que... Non, normalement, il n'y a pas besoin de trucs de pH. C'est rien. Ok. Pour l'instant, elle pousse toute seule. Maintenant, trouvons le hangar à bateau. Ça doit être par là-bas. Hein. Et bien sûr, je m'encombre d'une plante. Et il va falloir que je m'amuse à la poser. Tiens, il y a plein de trucs pour les poser, c'est fun. Ça. En fait. J'ai lu ça tout à l'heure. Oui, le spiritisme. Qu'est-ce que ça pourrait débloquer le spiritisme? Je pense pas que ça ait un lien. Ah non, ouais, pas les oiseaux, ouais. Je suis les oiseaux. Ok, bon, moi je pourrais poser la plante. Sur là, en équilibre sur le hangar. Ok, donc ça c'est. Ah, attends, parce que. Ah, mais non, mais en fait, il faut que l'émeraude des fous, je l'emmène dans la caverne, sous la fontaine, enfin, à côté de la fontaine, et que je me ramène le morse à l'entrée pour faire la loupiote. Ouais, ça doit être ça. Ah, oui, parce que là, on n'a rien d'autre. Attends, on en vient de là? Non, on vient de l'autre côté. Encore un truc, putain, mais ça n'en finit donc jamais ce jeu. Et moi, si j'ai un truc comme ça ici, je fais pas le ménage. Hein. C'est pas moi qui le fais, je paye quelqu'un. La propagation des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes peuvent envahir une zone très rapidement. Certaines se sont adaptées afin de disséminer leurs graines le plus loin possible.
La plante elle-même n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais elle fait confiance à la nature pour lui donner un coup de pouce. Les graines de la benoîte commune et de l'éleusine des Indes, c'est pas facile à prononcer tout ça, se sont munies d'un crochet conçu pour s'accrocher à la fourrure des animaux de passage, sont ensuite transportées et lâchées jusqu'à plusieurs kilomètres. Les graines du pissenlit disposent d'une houppelote, ouais. D'autres plantes telles que l'arum tacheté enveloppent leurs graines dans une baie attrayante, ok. Enfin, dernier exemple pour le moins mystérieux, la graine de l'ostilette. En effet, celle-ci se fait ramasser par des oiseaux qui la ramènent dans leur nid. Dès que l'animal s'endort, la graine germe et fleurit. On ignore encore comment la plante est capable de détecter quand l'animal s'endort. Oui, bah sûrement parce que c'est pas une plante qui existe. Oh là là, puis un jeu de plateau, mais c'est pour Ludixel, ça. Carte nourriture, carte forêt. Qu'est-ce que c'est? Les lapins vivent dans de nombreux habitats, dans des terriers sous terre, ils remontent à la surface pour brouter le matin et le soir. Les hérissons se protègent des prédateurs grâce à leur manteau d'épines, ils vivent dans les terriers, dans les champs comme dans la forêt. Écureuil gris nord-américain. Ah, Tom nous en a parlé d'écureuil gris bien plus tôt. Et plus gros que le roux, avec de plus petites oreilles, il stocke également de la nourriture, mais digère quelques graines sans attendre. Écureuil roux. On va peut-être pas tout lire parce que c'est chiant. La taupe. Les taupes vivent sous terre et ont mauvaise vue. Elles trouvent leur nourriture et leur partenaire grâce à leur sens de l'odorat et du toucher. Et les souris des bois. Ok. Il n'y avait pas un petit pont à droite en des caisses en bas? Si, mais il n'y avait rien dans l'eau. Enfin, il n'y avait pas de bateau, quoi. Ah non, un pont. On ira retourner voir. De toute façon, il faut que je récupère la caisse puisque je pense qu'il faut la ramener de l'autre côté. Règle du jeu, mise en place du jeu, mélanger les cartes nourriture et placer la pile face cachée au centre du plateau. Placer les jetons nourriture autour des cartes nourriture sur le plateau, placer les animaux sur la caisse de départ. Les joueurs choisissent leur animal en lançant le dé, le joueur au résultat le plus élevé choisit en premier. Chacun à votre tour, lancez les dés, avancez votre animal le long du sentier forestier. Le joueur au résultat le plus élevé commence. Si vous finissez sur une case nourriture, piochez une carte nourriture. Si votre animal correspond à la carte, vous récupérez les jetons indiqués sur la carte nourriture. Si vous finissez sur une case écureuil gris, ils volent tous vos jetons. Nourriture, vous devez les remettre sur le plateau. Le joueur qui possède le plus de jetons de nourriture dans son lit, à la fin du jeu, a gagné. Carte forêt. Ok. Et donc ça, en dehors du fait que... Ah, mais attends. Mais quand je pioche des cartes, c'est pas... Je peux piocher toutes les cartes que je veux. J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que j'en fais après? Rien. Vas-y, piocher toutes les cartes. Bon, il y a sûrement une utilité à un moment. Achat auprès de William Follet, fourniture scolaire. Pupitre de classe avec chaise, cahier de classe. Ouais, vous voulez faire une école, quoi. Lady Arabella, merci pour votre commande. Comme convenu, nous vous écrirons dans les prochains mois pour vous informer de la date de livraison de ces fournitures scolaires. Oui, bah ça n'a pas l'air d'être arrivé. Ok. Et là, on a les disques. Oh là là. Et quoi, il faut qu'on ramène une plante précise. Il va avoir besoin de la musique. L'oscillette. Un de mes amis a trouvé les graines et a eu la gentillesse de me laisser pour mon herbier. Ok. Donc ça, on a vu tout à l'heure. Oscillette. C'était là, je crois. On fera plus tard parce que je vais faire des conneries. Donc l'oscillette. Il a dit c'était laquelle? C'est celle qui se fait prendre par un oiseau? Et qui pousse quand il dort. Je travaille avec les animaux domestiques ou sauvages, rythme. Ah ouais, d'accord, c'est ça. Oh là 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 là. Y a pas oiseau là. Faut qu'on trouve un animal. Faut ramener un animal ici. On lui joue de la musique pour l'endormir. Et donc ça va, les musiques, ça va dépendre de ça. 51 secondes, BPM 70. Merde. 40 secondes, BPM 90. Ok. Mais l'oscillette, c'était pas censé être les oiseaux seulement? Que là, ça nous parle de tous les animaux sauf des oiseaux. Mais nous, ça. Alors, on descend en bas. Donc, quoi?
toi, je pense que tu n'as rien à faire là. En tous les cas. Sauf que la plante, je l'ai ramenée là aussi, quoi. Je suis con. Non, non, il n'y a pas de petit pont. Donc j'imagine que la porte que j'ai ouverte me fait un raccourci, non? Sinon, je sais pas comment on va faire. Oui, ça c'était fermé de l'autre côté. Ok. Donc là, pour le coup, on a ouvert toutes les zones. Ça c'était quoi? Oui, c'était la recette. Petit pont près des caisses de l'escalier, pas petit, petit point. Ah! Pardon. Bah excusez-moi, j'ai pas bien lu, c'est bon, j'ai pas vu le i. Vous allez pas mettre les points sur les i. Alors. Attends, déjà, il y a une échelle, ça ne sert à rien. Ah, il y a un canard. Ah, et puis de toute façon, putain, j'ai le truc à la main, donc je peux rien faire. C'est vrai que ça, j'oublie. Ça, c'est chiant. Il y a un canard. Louette. Examiner tous les canards. Merci, Creepy, j'aurais raté, j'avais pas vu. Ça m'aurait fait manquer un succès, j'aurais été tellement dépité. Alors. Ah, mais ça nous fait faire un trajet de dingo, ça. Non? Complètement que si. Je pense qu'il y avait plus court, non? Ah, bah non. Ah non, pour le coup, non, non, c'est... Oui, d'accord. Ok, non, c'est pas. Donc, ça. Et ça, c'est pas. Bah non, j'ai déjà observé tous les canards, donc celui-là, je peux pas l'observer. Mais il avait dit qu'il l'avait vu à l'entrée du truc, non? Est-ce qu'il faut que je la mette dedans? On va le mettre là. On va voir, hein. Par contre, je sais déjà plus ce que je dois faire en mort. Il disait que c'était attention, non? C'est ça? Je crois que c'est ça. Que c'était le seul qui connaissait ou je sais pas quoi, machin. Bon, bah, Snubule s'est échappé. Alors, la question, c'est est-ce que je loupe pas des infos en faisant comme ça? Parce que je voulais essayer d'y aller vite. Mais peut-être que je vais... un peu trop vite. Après, il va falloir retourner en arrière pour relire toutes les infos. Pas de relire tous les indices, quoi. Les infos, mais pas du tout, c'est faux, vous mentez, c'est par là. Pas sympa de dire des mensongeries comme ça, Nazono. Pas sympa, hein. Donc, toi tu vas là. Ouvrir. Et donc il disait quoi? C'était K. K-A. K-A pour attention. Mais moi je veux faire SOS. Et c'est quoi le... Ah ok, rond. Et trait. Tututututut. Ça c'est quoi? Ah non, c'est tu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 t. Ah bon? Tutut. Je croyais que c'était... Ah, il y a des douches qui arrivent! Alors qu'on n'a pas fini le jeu! Si mon pauvre père pouvait voir ça. Et bonsoir, Madame Doudou, j'espère que ça va bien. Bonsoir, Wispy, qui jouait tout à l'heure à Assassin's Creed, je crois, si je dis pas de conneries. Je passais vite fait, je vais pas parler, mais je suis occupé. Coucou les gens, c'est la deuxième. Et bonsoir, Momo le petit canton. On va faire un petit chou tout à Doudou. C'est passé le shootout, oui. Shootout qui, Doudou, c'est pas shootout. Shootout qui était sur quel jeu, hein? À quel jeu tu jouais shootout? À Woonox. Alors, est-ce que vous avez terminé Woonox? Avez-vous fini Woonox? Tout sauf, c'est là, je vais sortir mon chien et je reviens. Avez-vous d'abord fini Woonox? Oui? Oh, bravo! Très bien. C'est vrai, il n'est pas très très long, vous avez fait que 3 sessions. C'est fou, c'est cool. Est-ce que vous avez fait beaucoup caca culotte? Beaucoup pipi culotte? Pas trop. Moyennement, ça va.
Nous, on n'est pas du tout sur le même genre de jeu. Nous, on est sur, pour l'instant... Oui, mais je revis. D'accord, madame. Nous, on est sur Botany Manor, un petit jeu d'énigmes et de plantes qui est plutôt sympathique et qui est très, 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 très chill. Regardez, je vous mets un petit peu de décor. Ça fait très penser à The Witness, quand même. Voilà, c'est vraiment le même design. Et pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons fait pousser des nénuphars pour marcher dessus, pour rentrer sous la fontaine. C'est pas moi qui ai fait le jeu. Hein. Alors, me posez pas de questions. Et là, on va faire du morse. Moi, je veux faire SOS. Mais je me rappelais pas que c'était ça. Il n'y avait pas que un trait pour le haut. Ah, attends. Hein, c'est pas facile, hein. On n'est pas prêt d'être sauvé, hein. Envoyer un SOS avec le télégraphe. Alors, je fais tous les succès du jeu sans savoir qu'il y a des succès dans le jeu. C'est très rigolo. Et en même temps, il y avait quoi? S'asseoir sur une chaise, tirer la chasse d'eau, toucher des canards, toucher tous les canards. Que des succès à la con, ça me fait marrer. Et salutations, Olaf, le Fébusti, j'espère que ça va bien. J'imagine que ça s'est très très bien passé chez Doudouce. Donc il avait dit que c'était attention, donc attention, c'était KA, on avait dit. Donc ça ferait long, long, court, long, court, long. J'ai bien compris, hein. Long, court, long. Alors je vois pas du tout comment la plante elle peut pousser avec du morse par contre. Hein. Oh c'est joli. Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc on fait pousser des plantes bizarres. Hein. Il n'y en a aucune qui existe réellement dans le monde. Enfin, je sais pas que je sache. Et on doit trouver des indices dans les textes perdus dans le jeu pour arriver à faire pousser de manière bien spécifique toute notre petite grainounette. Et l'émeraude des fous est donc une liane qui contient de la luciférine, ce qui lui permet de produire de la lumière. Elle pousse généralement dans les grottes où elle utilise cette lumière pour communiquer avec ses semblables à la manière du code morse. Ah oui, c'est parce qu'il y avait à la manière du code morse. Alors les indices. C'était pas encore cela. Il y avait le télégraphe, les notes militaires, la bioluminescence, les produits chimiques parce qu'il y avait la luciférine, le code morse, et j'imagine lui. Voilà. Ça se passe toujours parfaitement bien chez Chouchoutou. Enfin, chez Douce. Ah oui, je sais que ça se passe toujours bien chez Douce. Même quand elle hurle. Même quand elle crie. Même quand elle pleure. On ne pleure jamais, mais... Même quand elle dit des gros mots. Elle est où, mon entrée? Attends, j'ai perdu. J'arrête pas de me perdre. Et donc, il va nous rester une graine hein, à faire planter, pousser. Et si j'ai bien compris... Ça doit être l'oscillarum, là, je sais pas quoi. Donc, c'est celle qui se fait porter par un oiseau jusque dans son nid quand il dort. Mais je vois pas trop. Okay. Ça servait à rien alors de mettre toutes les plantes ici. Ben, je suis déçu. À moins que j'ai mis deux fois les mêmes plantes, non. Bon, ça servait à rien. Et eh ben, c'est décevant. Ah, je suis déçu. Moi, je pensais, voilà, il y a des soucoupes là, partout, là. Et puis, en fait, non. Ah non, il en reste une. Ah, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, il faudrait être aveugle. Des gros mots et des cris douces. Maintenant, tu dois confondre. Ah ouais, peut-être, ouais. Parce que j'ai cru mélanger. C'est peut-être Rousse, peut-être. Georges Rousse. Un plasticien, hein. C'est pas quelqu'un que j'ai inventé. Donc, planter la dernière graine. Et là, on a Piu-Piu qui est là. Mais je peux pas. Je peux pas l'emmener avec la. De toute façon, il a plus peur de moi maintenant. Je peux pas l'emmener avec sa bouffe jusque dans l'autre truc. Alors, donc, dernière plante. Hop, c'est toi là, l'oscillette. Pour le coup, il doit me manquer de toute façon des infos, non?
Ah, mais ça marche pas du tout comme ça déjà. Moi aussi, est-ce qu'il me reste des indices? Ah, mais non, j'ai tous les indices, mais non. C'est que ces indices-là? Waouh! Ok. Donc c'est lié au jeu de plateau, alors finalement. Donc il faut qu'on retourne près du hangar. Toutes les infos sont là-bas pour le sillette. Qui je crois est la dernière plante, hein, si je dis pas de bêtises. Mais donc, comment est-ce qu'on triche pour que la plante se fasse avoir? Ah, ou alors, on met la. En fait, on doit être déterminé que si la plante arrive à pousser en devinant que l'animal s'endort, c'est parce qu'elle ressent ses battements cardiaques, hypothétiquement. Et donc, si on met une musique avec des battements cardiaques assez bas pour lui faire croire qu'il y a un animal qui dort, on est bon. J'imagine que ça doit être une bêtise comme ça. Ouais, va-t'en. Ah non. Ici. Hop là. Alors. On avait des trucs. Non, là, on n'avait que la boîte. Tous les textes sont à l'intérieur. Et on pourrait manger le sandwich, mais on peut pas manger le sandwich. Ok, alors. Ici. Mais par contre, elle a... Ah, mais je l'ai arrosé. Si, je l'ai arrosé. C'est pas arrosé. J'ai arrosé? Est-ce que j'ai arrosé la plante? Peut-être que j'ai oublié de l'arroser. Peut-être qu'il faut pas l'arroser. L'arroser. Oui, elle a été arrosée. Elle voulait pas d'eau. Ouais, peut-être qu'elle veut pas d'eau, hein. Puisque... On va tester sans l'eau. Mais bon, je la voyais pas pousser pour autant. Après, ça dit que l'oiseau bouffe la graine, je sais pas quoi, machin. Attends. Ils sont où les textes? C'était un livre. C'est là. Non. Un dernier exemple pour le moins mystérieux, la graine de l'oscillette. En effet, celle-ci se fait ramasser par des animaux qui la ramènent dans leur nid. Dès que l'animal s'endort, la graine germe et fleurit. Ah oui, j'ai dit oiseau, mais en fait, il n'y a pas marqué oiseau. Des animaux. Donc, peu importe l'animal. Mais j'imagine que c'est quand même lié à l'écureuil gris, puisqu'ils nous font suer avec l'écureuil gris depuis le début du jeu. Attends. Ah ben non, parce que l'écureuil gris n'est pas là. C'est compliqué. Rythme cardiaque d'animaux. 70. Ah oui, mais alors après, comme on n'a que 5 boîtes, on n'a peut-être pas un choix fou en fait. C'est ça aussi l'histoire. On a 100. 100, c'est un gros sommeil agité quand même. Hein. 120. Très, très gros sommeil agité. 50. 50, on commence à être sur du calme. 70. 70 aussi. 90, je pense que 90, il n'y en a aucun qui dorme comme ça. Ah, le chat, il est à 110 quand il dort. Ah bon? C'est possible. Hein. Tellement con un chat. Et les lapins. Ah oui, non, mais attends, les autres, là, ils sont à beaucoup aussi. C'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai, ces trucs? Parce que, genre. La musaraigne, elle est à 1000 BPM par minute éveillée et 600 endormie. Ça me paraît énorme, mais c'est possible. Mais la taupe, pour le coup, qui est un animal qui est quand même très mou, elle est à 500 en endormie. C'est étonnant. 50, 70, on est bon. En fait, peu importe. Est-ce que peu importe? Ou est-ce que pas peu importe?
Non, apparemment pas, peu importe. Hein. Ah ou alors attends, faut que ça dure longtemps peut-être. On va attendre la fin. La musique est étrange. Hein. Celle-là, j'ai toutes les infos, mais j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Les règles du jeu de plateau. Les règles du jeu de plateau sont dedans. Pourquoi? Ah, il faut peut-être une zone. Ah, oui, il y a peut-être une zone dans laquelle pousse plus facilement mémère la plante. Ah, nana. J'ai du jardin. On t'a acheté. Il n'y a rien indiqué. Hein. Ça, c'était pas utile. Enfin, normalement, non. Parce qu'on a des animaux qui sont classés dans les règles du jeu de cartes par zone. Pour relire la carte à jouer de l'ossillette. Un spododo sauvage apparaît. Il y a une carte à jouer de l'ossillette, fiche de ma goule. Putain, il y en a une. Carte champ. Donc il faut un animal des champs. Écureuil roux. On n'a pas le choix, il n'y en a qu'un. Donc il nous faut le sommeil de l'écureuil roux. Faut pas crier. J'ai pas crié, j'ai fait... C'est ce que j'ai fait. Écureuil roux. Endormi 120. Ah oui, bien sûr, parce que c'est celui qui est drogué quand il dort. Ok, voilà, d'accord. Donc on annule tout ce qu'on avait pensé. Et on retrouve le 120. Forcément. C'est le dernier. Un peu de ma gueule. Ah. Alors. Ah oui, là ça marche là. Ouh, là ça marche là. Où ça pousse, hein? Elle fait pas de peur. Ah, c'est juste une plante avec des feuilles violettes au bout. Je sais pas pourquoi. Les graines de l'ossillette sont ramassées par de petits animaux comme l'écureuil roux. Ils les stockent ensuite dans leur nid. Une fois l'animal endormi, ce sont les vibrations de ses battements de cœur qui permettent aux graines de s'ouvrir et fleurir pour obtenir toutes les plantes de l'herbier. Ok. Rejoindre la loge. Ah bah attendez! Je me dis, ça peut pas finir comme ça, juste genre tu fais pousser la dernière plante, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas de fin. Merci Griffy d'avoir rappelé qu'il y avait une carte à jouer de l'oscillette. Que je n'ai pas vu parce que je suis un sale con et que j'ai retourné toutes les cartes. Comme d'ailleurs dans n'importe quel jeu de plateau, hein, je fais ça tout le temps. Je retourne les cartes jusqu'à ce que j'ai celle qui me plaît. Oui, oui, faut pas jouer avec moi. On est tous d'accord. Allez, un succès, une porte secrète. Un succès. Placer une plante sur chacune des soucoupes de la salle fleurie. J'aurais préféré une porte secrète. Quand même. Rejoignons la loge. On aura fait combien? Ah, une heure presque et demie quand même. Ah non, attends. Ah, c'est là. Ah, on envoie l'herbier. Ah. Attendez.
Je vais me cacher. Même si je pense que ça sert plus à rien. Bah ouais, ça servait plus à rien. Il y a même pas une vraie fin. Je suis dépité. Bon bah je reviens. Hein. Excusez-moi. Bon, c'est mignon, mais ça manque d'un... À moins qu'il y ait un truc post-générique. On ne saura jamais si on est un alien. Ah non, mais c'est surtout que on est une femme dans un monde d'hommes qui arrive à faire tout son truc et tout. Ça aurait été sympa d'avoir une fin qui nous ouvrait genre, ouais, il y a un gars qui nous édite notre herbier et puis tout le monde est content, quoi. Et salutations, Edwin, comment allez-vous depuis cet après-midi? Avez-vous bien joué à... Indinka. Avez-vous terminé le jeu vidéo aussi? Que peut-être, hein. Le jeu que faisait Edwin cet après-midi, donc Indinka, c'est un jeu très bizarre. Oui, pas fini, mais j'adorais. Ah ouais, bah j'imagine. Alors déjà, le jeu, il est en russe, mais on peut mettre des sous-titres, c'est bien. Les gens sont bizarres, il se passe des trucs chelous, on joue une nonne qui marche dans la neige. J'ai vu qu'une partie, hein, donc de pas faire que ça. Il y a des passages en pixel art, il y a de la musique chelou, c'est très bizarre comme jeu. Silver, laisse ça. Non, les chats. Allez. Scène post-générique, pas scène post-générique. Est-ce qu'on apprend qu'on a édité? Ah, un an plus tard, je me cache. J'adore le mélange. Non, mais bah, je l'avais bien aimé le mélange aussi du jeu. Merde, on continue à jouer en fait. Putain, j'ai pas fini le jeu. Fini le jeu, mais j'ai pas fini le jeu. Une clé. D'accord, donc on a bien une suite quand même. Présenté à Lady Arabella Green par le syndicat des femmes pour l'éducation à l'occasion de l'ouverture de l'école de botanique Green. Ah, c'est cool ça. Donc finalement, bon, bah, c'est bien. Ouais, c'est juste ça. On a bien une évolution de... Waouh, elle a fait son école. Malgré le fait que ce soit une femme, etc. Machin, et que les gens lui aient craché au visage. Et elle enseigne l'herboristerie. Et la botanique. À des enfants. Une pomme. Une cloche. Disposition de la salle de classe. Ok, c'est les enfants. J'espère qu'on a poursuivi en justice le monsieur qui a blé notre découverte. J'espère qu'il est mort. Pas très gentil, mais bon. Ma chère Flore, je suis terriblement navré que ton herbier n'ait pas été publié. Ah. Mais je dois dire que je suis très enthousiasmé par ton nouveau projet de transformer Botany Manor en académie botanique. De visiter l'école et de rencontrer les talentueuses étudiantes que tu as prises sous ton aile, espérant qu'elles poursuivront notre combat. Affectueusement, Elisabeth. PS, Arabella, j'espère que cela ne te dérange pas que je t'appelle encore par ton surnom d'enfant. Flore. Flore, c'est le surnom d'enfant d'Arabella. Pourquoi pas. Ah, attends, on va le mettre là. Atteindre la fin du jeu. Ah, c'est ça la vraie fin. Ah, j'aurais peut-être dû monter à l'escalier, si ça se trouve, il y avait des queues de rue. Donc il y a bien une fin, une scène post-générique pour la fin, qui est sympathique. Ok, non, c'était fun. Ouais, très bonnes idées. Hop, on revient comme ça. Très bonnes idées dans le jeu. Pas très compliqué, pas très long. Je pense que quand on le stream pas et qu'on papote pas autour, il doit se faire en quoi 3h, 3h30, peut-être 4h, pour tous les succès. Tout sympa. Vous avez gagné le jeu vidéo? Oui, je vais regarder si... Ah, attends, pardon, désolé, ça a coupé le son, forcément. Je voulais juste regarder où est Steam. Où est Steam? Là. Si j'ai fait tous les succès ou pas. Ah, super, le premier éditeur du foot. Ou si pas du tout. Dans quel cas j'irai me les faire en douce de mon côté. Il y a beaucoup de jeux là-dedans, hein, quand même. Hein. Il va peut-être falloir les faire un peu. Hein.
Il est où? Là. Non, 100%. Ok, c'est bon. On a fait les 100% du jeu vidéo. Donc on a terminé le jeu vidéo et donc on va pouvoir passer à Madison.